Ouais, bah n'hésite pas à prendre la carabine ici présente. Et donc n'hésite pas à te faire plaisir. Je vais te poser un paquet de questions, tout aussi débiles les unes que les autres. Et tu vois régulièrement. Va me regarder dans la voiture. Ouais, vas-y. Et tu vois régulièrement, je te repose exactement la même question que je viens de te poser. Et tu vois, toi tu me réponds comme si c'était la première fois. Tu vois ce que je veux dire? Tu captes pas en fait que. Pour toi c'est normal quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu m'avais posé des questions. Ouais. Je te pose là une question, après je te la repose exactement pareil, puis je vais même te la reposer des fois trois fois. Toi tu réponds. Pour toi il n'y a pas de problème. Le mec, il n'y a pas de place là. Il est là. Ok. Et tu sais, quand je vais être au niveau de la barrière, je vais t'appeler et toi tu vas juste faire dépasser ta tête. Qu'est-ce que je fais? Ouais. Voilà. Ah, ça va, ça? Juste la tête. Si. Ouais, okay. Ah ouais, tu dis bonjour et là je vais... Je marmonne, tu vois, putain bordel de merde, t'as tout. Voilà. Et n'oublie pas de t'arranger pour parfois marmonner, il faut pas qu'on comprenne ce que... Ouais, ouais, ce comme d'hab, ouais. Et des fois n'hésite pas à faire un plan, genre plan séquence, de, tu sais, très long, de 1 minute, 2 minutes, où tu parles longuement, mais on comprend rien. Il y a rien à comprendre, tu vois, mais longtemps, oui, okay. C'est pas juste... Ok, il faut que ça dure longtemps. Ouais, raconte les trucs. Ça dépend de l'armée, hein. Ah, on n'est pas sûr, hein. Parce qu'alors là, l'autre jour, on a ramassé. Hein. Puis ça me pique le cul, ce connerie-là. C'est dans les roues, franchement, ils tombent bien. Cut, ok. Good, super, c'est génial. C'est génial, l'Obaki. C'est bien parce que, heureusement, t'as été réceptif quand je te montrais de partir de l'autre côté. Là, après, je suis en train de les perdre. De repartir. J'ai du mal à retenir avec ma lèvre comme ça. Ouais. Non, c'est super, c'est bien. J'ai peur que tu vois, que tu ne comprennes pas quand je te disais de partir. Si, j'ai bien compris. C'est super. Et tu dis, bon, de toute façon, on va pas parler de ça pendant 150 000 ans. Ouais. je vais te montrer ma carabine et tout ça. Montre-moi ça, un truc de merde, tu vois. Tu montres un truc tout pourri. Et tu me montres aussi un caillou, tu sais, un truc tout merdique par terre qui n'a aucune, tu vois, aucune importance. Ok, va faire de la balançoire là-bas. Vas-y, je te filme de là. Action. Alors, tu vois, ouais, quand même, tous les week-ends, gilet jaune, toute ma famille, ouais, toute la famille, avec les amis, les copains et les copines, ouais, on fait la fête, on est pacifique, nous on veut juste du blé. Nous, c'est comme ça chez nous. Ouais, gentil. Je peux pas chanter avec moi. Et ce qui serait bien, c'est que tu continues à te balancer comme un taré, et après tu sautes, et puis tu fais une vieille roulade toute pourrie, tu sais. Et après tu te barres en courant, c'est ce que tu sais. Faire. Ok, comme ça tu quittes le champ. Ok, 3, 2, 1, action. Macron, tac-tac-con, on vient te chercher chez toi. Oh, 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 Macron. Génial. Tu me mets derrière. Tu vois, avec le. J'ai fait un gros plan, t'as le mec qui se frotte le cul. Tu sais. C'est trop marrant. Je vais faire quelques points de toi un peu plus éloigné aussi. Tiens, bouge pas, je te laisse évoluer. Fais ce que tu veux. Ouais, je suis là-bas. Je te laisse évoluer. N'hésite pas à continuer toujours un petit peu d'impro. Et je vais te poser des questions et toi tu réponds. Ok? Tu vas voir tes chicots? Oh putain, ils sont beaux. Ah, ils sont pas mal, hein. Tu vas voir le petit gars au fond sur la balançoire. Hey, place du pasti. Hein? Place du pasti. Oh putain! J'avais pas vu ça. Attends, je fais un petit plan justement. Beau. Et ce que j'aimais aussi, c'est que tu présentes tes produits là et que tu racontes que des conneries. Tu dis ça on peut lubrifier. En fait, on peut toujours lubrifier avec tous tes produits. Tu sais, ça, le mec il est malsain quoi. En fait, il doit faire des trucs. Vas-y, hein. Qu'est-ce que tu as à faire? Attends. C'est quoi que tu veux, Bavoune? Et puis après, on rentre chez toi au bout d'un moment. Ok. La gueule, c'est inimaginable. Ça n'existe pas, des gueules comme la mienne. Magnifique, t'es quel parfait. Quel tube qui arrive. T'es parfait. Je suis mes copains. Ouais. Avec gilet jaune, on part le numéro en tête, ouais. D'accord, ouais. Parce que tu vois, il n'y a pas de mine. Oui, il n'y a pas de mine, mine de rien. Mine de rien. Et attends, on peut fermer la radio, il y a une radio en route. Tu vas nous faire rentrer dans ton antre. Je vais éviter de filmer la table, du coup. Good, merci. Bon bah je te laisse. Attends, il y a une perruque là qui me dérange au cas où. Sur le poids là.
Hein, je vais pas filmer la table, je vais filmer tout le reste. Alors, je mets le... Oui, ça, le sac, tu peux le mettre là, s'il te plaît. Tu le mets où? Là, là, par terre. Dedans, par, ouais, par, ouais, par ah, terre, ouais. Nivea, là, ça, c'est trop... C'est trop beau. Ah, quoi. Non, non, ça fait pas bien, ça. Mais bien en dessous. Ouais. Mets dans le sac. Ouais, vas-y, vas-y. Hop. Et de temps en temps, n'hésite pas à froncer les sourcils et tu t'énerves un peu. Ouais, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Hop, il est jaune. Ouais, n'hésite pas à t'énerver. Les lunettes aussi, les clés. Là, à un moment donné, tu fumes pas. À un moment donné, pleure aussi. Tu dois m'entendre. Ok? C'est tout bon là. C'est réglé là. Là, c'est bien, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Ouais, c'est bon. Ok, n'hésite pas, à un moment donné tu t'énerves grave et puis après tu pleures. Ok? Le mec totalement instable. T'expliques ma vie. Et non, 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 le mec est là, il filme comme ça, ouais, normal, tout là, je sais pas comment ça se passe la vie, faut écouter un peu, non? Ouais, bon. Ah. C'est super drôle, le mec qui fait une leçon de morale, tu sais, mais pour rien du tout, tu sais. Ah, tu m'as cassé, là. C'est très marrant. Donc, il parle, tu sais, j'adore parce qu'il répond pas, le mec. Tu poses une question, il te parle d'autre chose, il te laisse pas parler. Si par malheur, tu poses une question, mais t'écoutes pas, tout. Grosse tête de con. Alors, bah, ça voilà, va ou pas? C'est génial. Mais par contre, ce qu'on va faire, c'est... Vous avez un rideau, là. Est-ce que je peux aller voir? Non, non! Tu n'entres ouais, ouais, pas là. Tu n'entres ouais, pas ouais, ouais, là-dedans. Et si tu... Tu n'entres pas là-dedans. Ouais, c'est ma chambre et tout. Genre. Ouais, c'est ma chambre. Et tu sais, c'est comme si, genre, t'as des cadavres ou t'as des trucs dedans, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Bon, voilà. Ok? Ah oui. C'est tout bon? Ok. 3. Donc tu baragouines, mets-toi dans le coin, tu fais genre un. Tu bidouilles là dans tes trucs là. Et je vais te poser des questions, ok? Ouais. Allez, 3, 2, 1, bidouille. Ouais, bon bah tu vois parce que ouais, quand tu on parle de ça, tu comprends pas. Là je vois que vous avez un rideau ici à ce niveau-là. Est-ce que on peut rentrer dedans ou pas? Après il me dit comme ça, c'est pas bon. Dans la pièce à côté. Ah, après, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Monsieur Bébert, est-ce que tu peux nous montrer ce qu'il y a derrière le rideau, là? Je vois qu'il y a un... Non, 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 t'en rentres pas. T'en rentres pas derrière le rideau, t'es interdit. T'en rentres pas ici. T'es, je veux pas que tu rentres ici. Bien gentil, bien. Tu dis, oh, toi, me fais plaisir, tu sois là, barbecue. Ok, t'es content, d'un seul coup t'es content, t'es hyper bipolaire, tu vois. D'un seul coup t'es joyeux, tu dis, ça me fait plaisir, tu sois là, t'as une bonne tête, t'es... Tu vois, okay. 3, 2, 1, et action. Alors tu manges quoi du coup ce soir? Bon, ben... Ah, ça me fait plaisir que tu sois là. Avec un ami, on va avoir vécu. Un barbecue avec les gilets jaunes. Ah d'accord. Ah, okay. Comme les gilets jaunes, directement, on va avoir un barbecue. Elle a dit? D'accord. Attends, okay. je t'en vais. Cut, super. Putain, comment c'est drôle quand tu regardes la caméra comme ça. La tête pourri. Pourri. Regarde la caméra, mais je pars. C'est trop bon. J'ai chaud là-dessus. Tu vas faire un barbecue là? Ouais, super. Ah ouais, on va faire le barbecue. Génial. Oh, Jean, il l'a fait, c'est bon. Oh bah ça brûle déjà tout, hein. C'est déjà bien. Ça c'est carré, c'est genre des fous. Fait genre, tu te crames la gueule et tout ça, tu sais. Hein, tu te crames la gueule et tout, c'est tout un bordel, tu vois. Oh, ça gicle là ton machin. Va les conneries. Ça va les conneries, tu sais. On peut aller faire un plan. Tu... Oh, tiens, je vais te montrer un truc. Ah, tu sais, genre, pourquoi j'ai pas pensé. Pour toi, c'est un super truc de ouf, tu vois. Ouais, et tu vas me montrer. Regarde cette beauté. Tu vois. Pour lui, c'est extraordinaire. Hein. Ok. Parfait. Non mais c'est bien, t'es très bien, tu comprends vite, t'es tout le bordel, enfin tu sais quoi. Voilà, c'est super, vraiment, très très bien. Ça va être chaud. Je suis content. Ça va être chaud. Je suis heureux d'être content, je suis content d'être heureux, ça marche dans les deux sens. Ça va être chaud. Ça marche dans les deux sens. Heureux d'être content, content d'être heureux. Ouais. Good. Là, ok, faire une petite pause. Ouais. Bon, un petit coup. Ah, parce que là, les chailles. Emmène le charbon. C'est bien. Elle est dure à parler en tenant, hein. En plus, à gueuler, à faire le con. Hein. Oh,
J'arrive la perruque. En fait, ce qui est super, c'est que honnêtement, tout est drôle. Ouais, c'est vrai. J'aurais que l'embarras du choix. Donc ça, c'est important pour moi parce que si je veux faire un film, Ah bah ouais. Faut que ça punch, hein. Ah bah grave. Mais des fois, t'as carrément des plans séquences complets. T'as pas de découpage. Des fois, je me dis, je vais cutter un peu, tu vois, mais parce que ça donne beaucoup de mouvement, tu sais, comme je fais avec la chauve-souris et les chasseurs de monstres. Mais. Il y en a pas. Là, des fois, il y a pas de plan découpé parce que tout c'est se déguste. C'est naturel. Un gars comme ça se déguste, tu sais. C'est un orgasme visuel, tu sais. La pelle là-bas, ça, c'est puissant. Tout est parfait. Ouais, franchement, c'est. Tout est parfait. Un gazier! On peut boire un petit café s'il te plaît? Bien sûr! Ouais? Ma soeur! C'est du café en poudre avec de l'eau, c'est bon? Ouais! Parfait! Parfait! Il y a parfait. Du coca ou il y a autre chose, hein, panaché ou. Non, un petit café! Ouais? Je vais reprendre du poil de la bite! De la bête! Du poil de la bite! Et toi, tu veux essayer le café? Excuse-moi, c'est une rire. Excuse-moi, mais tu jures, comment c'est drôle le plan comme ça? T'as le mec sérieux avec ses chicots qui dépassent, c'est pas possible. Avec sa carabine et tout, le mec il est en guerre. Oh, je sais pas pourquoi il a une carabine, le mec. Attends, allez, regard rêveur, regard poète. Oh là là. On botte le cul à Macron, tous les gilets jaunes, toujours présents, tous les week-ends on va foutre la merde. Ah, qu'est-ce que je dis? On fout la merde, c'est les gilets jaunes. Dis n'importe quoi, je suis là. Ouais. Et je n'aime pas les chansons. Le mec il se lâche, il s'est trahi lui-même, tu sais. Ah putain. Bon. Avec sa musique de merde, ouais, en c'est pourri. Il n'y a même pas de sens. C'est le mec qui se prend pour un chanteur. Mais grave. Fais gaffe à la boîte de plomb par contre. Ouais, j'essaie, j'ai mis. Voilà. Et tu peux tirer un plomb dans le truc là, et tu dis ouais, ça c'est dans la gueule à Macron. Il est chargé, non? Fait semblant, ouais. Voilà. Attends, je voudrais faire un plan de face. Tu ouvres comme un gros porc là. T'es là. Ah! Ouais, c'est bon. Tu dis le café, normal. Pas beau ça? Ah, tu aimes bien celle-là. Ouais, ah, avec ça, tu chasses le dahu. Ouais. Ça y est, c'est bon. C'est bon, tu peux rentrer. Tu peux sortir. Tu peux rentrer. C'est bon, tu peux. Regarde. Waouh. Ah là, là ça donne envie d'être poète. Ouais. Poète. T'as vu ça? Regarde le plan que ça fait sur, ouais, sur la caméra. Ça tue, hein. C'est beau et en plus c'est joli. Ah. Tu te mets là et tu vas rentrer dans le champ puis tu commences à dire alors, c'est parti pour le feu, tout ça, c'est le feu comme il faut des gilets jaunes quoi. C'est le feu des gilets jaunes, c'est le feu qu'il va y avoir demain. Ok, tu vois ce que je veux dire? Et tu brodes. Ok. Barbecue. Allez, mon corps. Ah, mon copain, je te jure. Et à un moment donné, hurle. Essaye. Tu mets un vieux cri strident tout petit. Ouais. Tu sais, un truc comme ça. Un copain, okay. T'es un copain. Ouais, je suis genre, attends, okay. Je vais mourir. 3, 2, 1. Action. T'as un copain, t'as raconté, t'as raconté ça. Monsieur Bébert, j'avais une question à vous. Ah! Pendant que tu fais ça, à un moment donné, fais une vieille roue toute pourrie, tu sais. Tu fais la roue. Là soudainement tu te mets à faire la roue à ce niveau là tu sais, juste une vieille roue pourrie hein, pour essayer de m'impressionner. Tu sais faire ça et tu fais un vieux truc tout moisi et puis après t'es fier puis tu retournes vers ton feu. Ok, 3, 2, 1 et action. Ah tu vois, parce qu'après je vais bouffer le barbecue, mais faut quand même savoir faire, hein. Quand même savoir faire le barbecue, hein. Parce que là je vais te montrer quelque chose. Je cherchais pas à faire ça. Ah ouais, c'est cool. Et puis à la sortie, c'est qui se retrouvera emmerdé après encore, qu'est-ce qui reste demain, Kakatov.
Ah non, non, c'est bon. Ah, faut commencer comme ça. Non, non. Le mec s'arrête plus. Ouais, Il est bloqué. Le mec, il est bloqué. Ah bah, cacatom et tout, il enchaîne des mots qui ne veulent rien dire. Des mots qui s'imbriquent pas les uns avec les autres. Grâce aux supporters, on peut m'acheter 4 batteries. Pull, hein. Hein ouais, oui. Je me colle un pull. Ouais, ouais, ouais. Il ouais. n'y a pas un pull tout pourri, moche, un truc... Ah, mais je vais mettre ça dessus. Ouais. Tu sais, j'aura juste les manches. Il est où mon pull, d'ailleurs si tu pourrais mettre un pull ou un truc tout moche en dessous, tu sais, quand même. Faut que tu aies toujours la classe, mais... Tu vois. C'est le mec, hein. Ouah, comment tu fais bien le robot. Vas-y, fais le robot à fond maintenant. Vas-y, hey, danse. Mais si, il fait le robot tout pourri. T'es. Eh bien, attends, on va le faire, ça. On va le faire. Tu sais, faudrait qu'on t'appelle. Dylan. Faudrait qu'on t'appelle sur ce téléphone-là, tu sais. C'est Dylan. Sonne, et puis toi, tu te mets à faire le robot, comme ça. Ouais, 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 tu sais. Ouais, ouais. Il y a Gilets jaunes aussi, tu sais. Hein? Musique Gilets jaunes. Il y a des musiques Gilets jaunes, ah ouais, c'est vrai, putain. Ouais. Les mecs, ils ont été jusqu'au bout de leur barrière. Attends, je vais voir que... Il est beau, ton pantalon. Mettre mon pull, hein. Le mec, il met ses dents pour lui. J'ai dit, t'es. Franchement, t'es, ça n'a aucun sens ce que je fais. C'était pour t'en débarrasser. Ouais, ouais, t'es. Ouais, je mets le pull noir. Il est beau ton pantalon. Ça se voit pas. J'insiste. Hein. Ouais, tu vas faire pas les gilets jaunes. Ah ouais, ils sont sympas. Hein. Ouais, c'est gentil. C'est ce qu'on appelle un cadeau empoisonné. Les salauds, quoi, ils t'ont filé ça. Et tu m'attires vers la voiture de ton frère Gilles et tu dis que c'est une pépite. C'est un truc de taré pour toi, c'est un truc de ouf, ok. C'est une Porsche, là, pour tous. Tu vois ce que je veux dire. Ah, tu l'as voté. Ça, je l'ai voté. C'est une voiture de merde, non. Ah, t'es pas de la voiture de merde, non, non. Non. Regarde, ça, c'est tout beau, ok. C'est tout neuf. Ça, c'est tout joli, hein. Ça va un petit billet, ça, quand même. Hein. Mais je trouve que ça ressemble à une voiture de merde. Ah, ça va un petit billet, quand même, ça. Elle est toute belle. Oh ben Dieu, qu'est-ce que tu dis? Ça me fout dans un état, tu sais, tu te penses. Ah, ils sont fous dans un état, le bagnole. Oh, putain, du tout. Oh, j'aimerais avoir la même. Oh, Dieu. Hey, Gilles. Bientôt, hein. Ouais. Ah, purée, ah, oui, avec Macron, je peux pas me la payer. Bon, ben, on va bouffer. Avec ma voiture, bouffer parce que... Tu parles du loto. Si on gagne. On gagne. Ouais, là, il commence à y avoir du grain, c'est vraiment limite. Ouais, pour, mais... c'est drôle, quoi. C'est de toute beauté. C'est de toute beauté. Ah ben voilà. Bon, et là on va faire une vraie pause, on va bouffer. Ouais. Et puis puis après on va au bordel. Ouais, donc l'idée c'est que tu dis ouais, donc je vais tout bouffer. Toi je t'en laisse une si tu veux. Parce que moi il faut que je prenne des forces demain parce que demain ça va chier. Hop, cacatov, hop, Macron, puis d'un seul coup tu te mets à bugger, tu répètes Macron comme un con, tu sais, tu bugs là-dessus. J'avais une autre idée. Je veux que tu me parles d'un autre truc, j'ai oublié, putain. Ouais, tu dis que c'est important de prendre des forces. Tu dis que là-dedans il y a des cacatomes. Ok. Moi, je suis en train de faire chauffer les cacatomes. Pour demain. Demain, voilà. Ouais. Regarde, j'ai des boulettes. Deux, trois mots. J'ai fait deux, trois boulettes. Ouais. Et tu. Et on va clôturer là-dessus. Tu dis bon. Je bouffe ça, puis après je vais me coucher parce que. Demain, je suis à Castagne. Ouais. Ouais. Et tu dis, il est quand même 20h. Et moi, 20h30, faut que je sois au lit. Parce que demain, je me réveille tôt, je me réveille à 10h. Ouais. Ok. C'est un koala, t'es idiot. Si j'ai pas mis 18h de sommeil, ça va pas. Ok. Ok. 3, 2, 1, et action. Tout le gilet jaune, c'est le gilet jaune. Parce que Macron, ouais, comme Macron. Ouais. Macron. Voilà. Macron. Allez, moi, le Macron. Là, je suis Macron. Allez, Macron. Macron. Pourquoi vous Macron. Répétez Macron tout le temps? Macron. Là, c'est avec Macron. Macron, ouais. On vient à la contre Macron. Macron. Ok, bon, bah.
Alors donc, on va aller vous couper, on va me coucher. Comment? Macron. Macron. Je sens hein, que tu essayes de communiquer, de me dire quelque chose. Allez, Macron. À manger. Ouais. Macron. Et puis en tout cas, là, on voit que tu commences à décliner. Mais cacatob. Tu commences à être fatigué. Quoi. Qu'est-ce qu'il fait, mon cacatob? Ça, je reviens plus. Ah, c'est un Macron. Le mec ne t'écoute pas. Il n'a rien à branler. Il t'es pas là. Non, il est dans son truc. Il n'existe pas. C'est hallucinant, quoi. Ouais. Ouais, ça sent bon, hein, là. Ça commence à m'ouvrir le bide, là. Yes. Alors. Et les cacatobes. Parce que c'est bien beau, de faire ton truc, là, et tout. Mais il faut s'en occuper, quand même. Ouais, j'ai retourné. Mon gilet jaune. J'ai retourné. Mais pas tout, alors là, c'est pas cuit, faut les laisser. Mais les cuisses, faut... Enfin, les... Ah, faut les laisser, regarde. Oui, oui, mais il faut y tourner un petit peu. Hein, ouais, bon. Faut laisser bien. Il y a de la bombe là-dedans, ça fait. Alors, ma poule. Alors, comment tu vis cette première journée de tournage? Difficile, hein, quand même, hein. Pas mal, hein. Ouais. Tu t'attendais à ça? Non, pas du tout, c'est vachement épuisant, vachement fatigant quand même, c'est du travail, c'est vraiment du boulot. Ouais. Il y a beaucoup de séquences, beaucoup de choses à faire, ouais. Ça va être génial. Moi je pense que ça va être vraiment, vraiment, vraiment génial. On a repris pas mal de choses. Oui. Casse-gueule, tout le bordel, enfin, c'était chaud quoi. Les répliques. Les répliques qu'il faut, bien, et puis il faut y repenser, relancer le truc, non, c'est quand même pas mal. C'est du travail. Hein. Franchement, je suis épuisé pire qu'une journée de boulot. Je suis tué là. Les gens, je te jure, les gens se rendent pas compte. Ça casse. Ah, ça pompe, hein. Bah, ça doit se voir. Je dois avoir la gueule fatiguée là, déjà. Tu vois, pourtant, même toi, t'as avec la route que tu t'es tapé, puis tout, derrière, t'assures encore ça. Putain, chapeau. Ah, franchement, c'est compliqué. Hein. Un film, je pensais pas, tu vois, faire le con comme ça devant une caméra pendant une demi-heure, bon, c'est une chose, tu vois, c'est pas pareil. Ah oui. Là, c'est du sport. Ouais, c'est mais ça va être génial, je pense. Ah, les gens, ils vont kiffer. Non, à moi. Franchement, là, c'est excellent, quoi. C'est une première expérience pour toi. Ah ouais, c'est le top. Ouais. C'est fatigant, épuisant, mais c'est le top. Voilà, j'espère que ça va vraiment donner quelque chose de bien. Et j'en suis sûr, de toute façon. Je suis sûr que ça va être excellent. Ouais, regarde ça. Ça sent le barbecue là. On va se régaler. D'autant plus que là en plus on fait ça sur le terrain, tu vois. Voilà, ça c'était à ma grand-mère quand même, tu vois. Donc, c'était à ta grand-mère? Ah ouais, tout ça. Ouais. Voilà, 3 hectares et demi, t'as jusqu'à l'embout. Quand j'avais vu le. Quand j'avais vu l'endroit, je me suis dit. T'as été, on va faire un truc, tu te rappelles? Ouais. Ça, en plus on avait déjà parlé. Ouais. Ouais, c'était derrière qu'il y a la caravane aussi, on avait parlé de. Oui. Ouais, pour le Sanchez, etc. Bon, il y a pas mal de choses ici. C'est dommage qu'on ne voit pas parce que c'est derrière que je dormais quand j'étais dans la rue, que je parlais dans le reportage que je te. Ben, c'était la maisonnette derrière. Peut-être avec ta lampe. Pour avoir. Bon, les chitos, les sérums, les masques de protection au cas où. Ça sert donc, toutes tes batteries. Tes batteries les piles. Hein, hein. Merci pour les dons. J'ai pu acheter. Une pile de rechange et 4 batteries. Ce qui n'est pas négligeable. Ça peut servir. Pièce d'identité, permis de conduire au cas où. Voilà, donc prends du pognon parce que comme je suis extrêmement fortuné, je vais m'acheter un kebab. Ça t'appréhende d'aller à Lyon comme ça dans un moment aussi virulent? Ah ben, on va ma famille gilet jaune. Ouais, carrément, ouais. J'appréhende parce que je sais que ça va être tendu et que j'ai pas envie que ça finisse mal. Donc voilà, on va rester assez vigilant. Nous, on est là-bas pour s'amuser, non pas pour foutre la merde ou quoi que ce soit. Hein. Donc, c'est dans l'esprit du film, de voilà. Et puis, bah, croise les doigts, on se fait le signe. On embrasse les pieds de la belle Vierge et tout va bien. C'était pas beau ça. Ah oui. Trop belle. Magnifique. J'ai embrassé ce matin. Ah ouais. Bon les infréquentables, regardez ça. J'ai fait une petite escale juste pour vous montrer ce cochon. Voilà, on est chez un ami à Steph. Et je tenais à vous le montrer parce que j'adore ça, je trouve que c'est trop mignon.
Hein, c'est quoi ce groin énorme? Ah bah tiens, il est là en fait. Ah. Oh là là. Oh. Oh, ça fait du bien ça. Oh, ça fait du bien. C'est tellement mignon. Oh là là là. Bon, si quelqu'un veut m'offrir un cochon, mais nain, un peu plus petit que celui-ci, ça m'intéresse beaucoup. Et voyez, ça roule en direction de Lyon. Stéphane. Ouais. Est-ce que ça va? Tout va bien, le meilleur des mondes. On appréhende quand même un petit peu, hein, parce que voilà, quoi, on va dans, quand même au cœur d'une manif, donc voilà, c'est pas sans risque. Et oui, surtout une manif qui ressemble à une révolution, là, c'est... surtout que, voilà, vu ce qu'ils annoncent, voilà, quoi, c'est... Ouais, on va faire pour et on fera attention, ça, c'est sûr, on va pas se mêler à tout ça, quoi. C'est parti. Ah ouais. Et on passe par les petites routes, parce qu'ils nous prennent vraiment pour des... con à nous faire raquer tout le temps, tout le temps, tout le temps, comme si le carburant n'était pas assez cher. Ah, c'est vrai, Stéphane. Ça, c'est tout vrai. Bah, oui, oui. Et alors? Mais n'empêche que, voilà, si vous pouvez ne pas prendre l'autoroute et boycotter, faites-le. Vous perdrez peut-être trois quarts d'heure, mais en fait, vous y perdrez pas d'argent, quoi. Voilà, inscrivez-vous à la page Facebook Boycott Autoroute Péage. Voilà. Ça fait chier le système. Exactement. Bon, on a fait une petite pause là, on est à Bourges, hein, c'est ça? Ouais. On va aller au kebabier. Bourges-en-Braise. Voilà, Bourges-en-Braise. On va avoir un kebabier pour ripailler. Oh là, jeune kebabier. Salut les amis. Donc voilà, on est reparti pour séance de tournage avec Morgane. Voilà, donc bah, là on va manger un petit peu, on va ripaille chez un jeune kebabier. Et on prend la route direction Lyon. Pour la manif. Donc on vous tient au courant. Restez à fond. À tout à l'heure. Ce vieux cri final, tu sais, je sais pas d'où ça sort. C'est ça. On sait pas ce qu'il a. De l'église, ouais. Avant d'aller manger. Tout à fait. Croyons un petit peu. Ouais, qu'est-ce que tu as à la côte? Ouais. Tu vas bien, quoi. T'as pris la à la Vierge Marie? Ouais, ouais, voilà. Et puis, rien compris. Ouais. La Bouddha aussi. Ouais, un peu, c'est pas beau, ça. Bienvenue dans la Bresse. Ouais. Bah, bien sûr, oui. Ça te donne... aussi un peu d'énergie pour ce que tu vas affronter là. Ça me met la pêche. C'est vrai? Ah ouais, ouais. Et ouais. Tu vois? Je m'étonne. T'inquiète pas, on a un ange avec nous, regarde. C'est vrai. Where's my dent? Where's my chico? Bah ouais. Ils ont bien pris les dents. Si, ah, il m'a fait peur. Les chico. Ouf. J'ai eu peur là. Oh, le beau pull bleu! Non, je veux pas mettre ça! Oh, comment tu vas être beau! Je veux pas mettre ça! Merci. Oh, t'es beau! Oh, t'es beau! C'est vrai, c'est moi le plus beau! J'ai joué l'enculé! Donc on va se faire une séquence où je vais me mettre très éloigné. Je vais me mettre très éloigné en fait de toi.
Et en fait, moi, en tant que journaliste, je t'attends. Ah, gilet jaune, gilet jaune. Je t'attends. Ouais, gilet jaune. Donc, voilà. Ah, on y est. Donc, je t'attends très loin. Je vais te parler et tu me réponds, ok? Ah, gilet jaune. Et je vais te dire, bah, ça fait 2 heures que je vous attends. Et toi, tu dis, oui, bah, moi, j'ai des trucs à faire, je suis gilet jaune. Je fais ce que je peux, hein. Je suis gilet jaune, je te rappelle que j'ai des occupations en ce qui me concerne. Tu m'excuses, j'ai rien voté à réparer, hein. En gros, t'es gilet jaune, toi, t'es plus occupé que les autres, tu vois? Tout à fait. Ok? Tu m'attends là, tu bouges pas? Bouge pas. Va le voir et dis-lui, on est presque coiffé. Les liens capillaires. Ah oh, salut. Putain, lien capillaire. Oh les mêmes coups. Oh t'as une serre gilet jaune toi. Non. T'as une serre gilet jaune toi. Ah oh, merde. Ils sont où alors? Ils sont sur la place Bellecour là-bas. C'est là ce qui me semble. C'est la famille des gilets jaunes. Vision d'horreur. Elle fait peur en réalité. Pardon, je suis folle. Fright Night. J'ai devenu assez de pluie d'horreur. Ça va pas être bon, ça chire. Attends. 2 minutes. Hein. Voilà. Dis bonjour aux gens. Ouais, ouais. Dis bonjour, beaucoup bonjour. Ah, chez l'amour. Chez l'amour. Allez, c'est parti. Tu t'es tout con, tu sais, tu es gratos. Attends. T'es content, t'es tout con. C'est marrant, tu sais, les gens, quand ils te regardent. Grave, hein. Cause d'horreur, tu sais. Et puis après, ils se foutent de ta gueule. 2-3, c'est tendu quand même. Hein. Ouais. T'as la Ferrari, t'as vu ce que j'ai dit? Hein? Ah, lui, il touche pas le RSA, hein, elle m'a regardé comme ça. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On la voit? Ouais. Ah, c'est que ça pique, hein. Oh là là. Vas-y, vas-y. Ça pique les yeux. Ça pique quand même les yeux, l'histoire. Hein. T'as pu, hein? Enlève ton téléphone, il faut que tu sois dans le personnage. Ça sert plus, hein. Viens là. Viens là. Ah, ça pue, là. Ça pique les yeux quand même, leur merde. Alors, qu'est-ce qui se passe? Kylian, c'est qu'il y a encore plus là-bas. Oh. Allez, on se tire. Ah ouais, ça gonfle là-bas aussi. Ah, ça brûle. Ça, ça brûle, hein. Ça brûle, hein. Il y en a là-bas. Elle est dans la rue, elle est dans la rue, là. Le vent, avec le vent. Viens. Oh bah la merde. Enfin on se gazait quoi. Eh oui. J'adore. J'avais pas vu ouais. Ah oh, ouais, il est déguisé. Ça va? Ah mais c'est qu'on se fait gazer. Qu'est-ce que c'est le bordel? On sera là en train de nous gazer. À la prochaine fois où ça gaze, cours à fond. Tu te barres en courant, ok? Mmh. Tu fais vraiment le ouf, ok? Faut que tu sois à fond dedans, ok? Excuse, ouais. Ouais, non, mais y'a pas de soucis, on tourne, vas-y, joue le personnage. T'as mal, t'es pas. Ah t'es putain, pas bien. Ils sont tarés, hein, t'as vu ça? Ils ont complètement gâté la gueule, ces bandes de cons. À peine t'es arrivé, en fait, ils t'ont. Ah, mais ils m'ont vu, boum, hein, tout ouais. De suite. Classique. Là, voilà, quoi. Ça, c'est vrai que c'est quand même pas mal. Là, on va sur ce côté-là. Ah. Non, ah non. Ouais. Ah, ouais, ok. Alors, en fait, là apparemment, il y a les CRS qui cherchent à t'entourer de l'autre ouais, côté. Exactement. C'est ça? Ah, tout à fait. Tout à fait. C'est pour ça que tu vois,
Donc là ils avancent en fait, ça veut dire que... Ah même dans pas longtemps, je vais voir comment ça va finir. Ouais. Ah ça c'est sûr et certain. Ah t'es tranquille, hein, gilet jaune, tiens. T'as vu, tu vois, regarde. T'as eu pas de conneries. Tu y es, tu vois. Ouais. On a le droit à un logement décent. Bon, moi je vais pas me plaindre, hein. T'as vu, j'ai un beau logement. Ça va, je suis pas trop mal quand même dans mon logement. Mais voilà quoi. Alors là, Weber, vous avez l'air inquiet. Un petit peu quand même, tu vois. Parce que là, ça va mal punir. Regarde. Donc, donc là, il faut reculer, c'est ça. Avant que ça sent le cacator. D'accord. Ben, tu vois, faut mieux reculer. D'accord. Faut être con quand même. Ouais. Tu veux te cacher là-dedans, c'est ça? Ah mais carrément. Ils ont mis des cailloux sur le banc. Après ils vont balancer. Ah, je connais, hein. Je sais comment ça se passe. Ils ont mis des cailloux sur les bancs? Ouais. C'est-à-dire? T'as pas vu? Non, fais voir. Okay, ça tu va. Peux faire voir pour Popcorn TV? Ah ouais, tout à fait. Hein. Tu vois? Ouais. Ah oui, d'accord. Voilà. Pourquoi il y a un caillou là-dessus? Bah et si tu t'achètes au-dessus, tu auras mal au cul. D'accord. C'est parce que ça... Ah oui, là, ça commence un petit peu à monter en fait. Donc en fait, mais t'es pas avec tes amis du coup pour les sauver? Ah bah on est partout, hein, regarde, jusqu'à leur voix. Hein. Dans pas longtemps, tu vas voir le carnage. Tout va bien. Tiens, mets-toi devant là sur la route et je vais te. C'est pour une affiche. Ah. Tout va bien. Oh bah merde. Ouais. Voilà, prends la pause. CRS. C'est tout pour moi. C'est pas. Bon allez. Allez copain. C'est les copains, va te prendre. Bon, ce qu'on pourrait faire, c'est rester derrière les barrières, derrière les CRS là, pour voir dès que ça pète et avoir des séquences, tu vois. Bah, je sais pas quand c'est que ça va péter. On va voir. On peut attendre là. Bon. Bah non, parce que j'aimerais bien. Blah, il me faut les images, tu vois, j'en ai besoin. Justement, faut le tour, non? Hein? On tourne, on part là-bas. Bah là, on peut retourner. Ou alors on monte à là. À gauche, direct à gauche. On monte là, sinon ça t'es en hauteur, tu vois. Parce que là où on était pas mal hein, avec les danseurs. Parce que j'avais un bon angle en fait au niveau ouais, des. Bon, ça vient taper leur voix. Vous donnez la main, ça suffit. Là, t'es pas là, c'est pas la même. Parce que je sais pas s'ils vont taper au niveau des danseurs, tout ça quoi, tu vois. Hein? Je sais pas s'ils vont taper au niveau des danseurs non plus. Et si j'ai des bonnes images, c'est bon pour le film, tu vois. J'ai vraiment besoin de ça pour le film aussi. C'est ça le truc, c'est que. Je sais que c'est une prise de risque, mais après c'est pas comme si on était dedans non plus. Dès qu'on voit, on sent l'odeur, tu vois, on se barre. Hein ouais, bah, dès que tu sens l'odeur, c'est trop tard, hein. En général. Non, la deuxième fois, t'as vu. Ouais, ça allait. Ouais, parce qu'on était loin. Ouais. Ouais. Alors là, les CRS se barrent. Qu'est-ce qui, pourquoi mets tes dents. Ouais. Allez, mets tes chiffons. Ouais. Alors, pourquoi les CRS on se barre là? Ah, je sais pas, je pense que c'est parce qu'ils m'ont vu, tu vois. Ils ont un peu peur. Tu leur fais peur? Ouais, parce que je balance des cacatoffes, tu sais, des fois, tu vois. L'autre, il rigolait le plus. Il rigolait en voyant ta gueule? Ouais. Parce qu'il m'a reconnu. C'est le mec super nombriliste. Il sait bien qui je suis, là. À chaque fois. T'inquiète pas. Hein? Nos téléplaques sont garés comme des connards en plein milieu de la route. Tu fais des téléplaques des flics? Ah bah je te garantis. Allez dire à Macron moi. Il rentre les gars là, ils se garent comme des merdes. Ouais. Ah parce que moi quand je me suis garé avec ma Solex. Ouais. Ah ok, celui-là. Il y en a une belle. Hein. Quand je me suis garé avec ma Solex, ils m'ont mis un topic, hein. Ouais. 35 euros. Ouais, il est fort, hein. 35 euros pour moi Solex, ça fait cher payer, hein. Ça fait un plein de gasoil.
va courir comme les lapins. Comme les lapins crétins. Donc en fait, on reste là pour se faire gazer, c'est ça? Ouais. Ah ouais, c'est un gilet jaune. Alors tu vas me dire, mais j'ai une meilleure technique comme t'as avec moi, je suis un mec sympa, on va aller directement de l'autre côté du pont parce qu'ils vont gazer ici, ouais. Comme ça on va s'échapper. Bien, je vais te sauver la vie. Ouais. 3, 2, 1, et action. Ah mais j'ai une technique, hein, t'inquiète pas. Hein. Tu bien que je suis quand même un mec sympa. Mais voilà. Ah. Ok, donc en fait, t'es venu, si je comprends bien, vous bien, êtes venu... Je vais te sauver quand même la vie parce que là, change à pas tarder à partir. Ouais. Et il faut mieux qu'on passe vers le pont. En fait, si j'ai bien compris, ouais, vous êtes venu... Bah, se rassembler, prendre le soleil. Se rassembler pour partir, en fait, c'est ça? Voilà, t'as tout compris, c'est tout à fait nous. On n'est plus à ça près, mon petit. Ouais, ouais. J'ai vraiment besoin de ces séquences-là. Bien dit. Vas-y, je suis contre le jeu là. Ouais, allez, allez, allez. Ouais. Allez, copain, t'as acheté, copain, ça va compagnie. Ça va pas tarder. Mais ça vaut vraiment le coup d'attendre que ça gaze en fait? Ça sert à quoi? Ah ben c'est l'heure que j'ai fini quoi. Ça changera quoi en fait au final? Ah ben que j'ai fini, que ça gaze. Ben que la journée est finie. D'accord. Ça s'appelle un burn. Ils font un burn? Ouais, c'est un burn. À quoi ça sert exactement de faire ça au final? Bah, ça fait joli. Ouais. Sans le pneu. Ouais. Voilà. C'est nos manières de gazer. Ah oui, d'accord. Ça gaze plein gaz avec la moto. Ah ouais, ouais. Ouais. Bien, on va se mettre à côté des CRS. Mais moi j'ai pas enregistré d'Eric, alors ça me fait chier, ce soir je sais pas comment je vais faire. Oui oui, ça c'est vrai que ça, c'est... Ah, je suis déçu, hein. Je suis déçu. Ouais, c'est ça. Déjà je suis arrivé, on s'est fait gazer parce qu'il me voit partout. Vas-y, mets-toi, il nous empêche de passer. Maintenant, hein, j'ai raté d'Eric, j'ai même pas pu regarder d'Eric ni l'enregistrer. Non mais tu te rends compte? Ouais, ça va aller. Hein, voilà, voilà. Ça va aller. Non, ça va pas aller, j'ai raté d'Eric, je rate jamais un d'Eric. Donc là on a les CRS qui sont venus. Et il reste encore quelques lignes de jaune sur la place. C'est l'envoi, hein. Les yeux. Oh, Marie-Joseph. Bon, fin de tournage. Fin de tournage, ouais. Ça y est, nickel. On est arrivé à bon port, à la voiture pour l'instant. Et on a encore quasiment une centaine de kilomètres à faire en voiture. Mm-hmm. Voilà, mais on va bouffer. Là maintenant, on va profiter. Ce coup est doux. Ça se passe c'est bien. Parti. En ce qui me concerne pour le montage, voilà. J'en ai bien pour 2-3 minutes. Ah oui, je prends bien, ouais. J'aurais dit 2 minutes 59. Bon allez, change-toi bien. Ouais, ouais, allez, à tout à l'heure.